Oui, compatriotes congolais, encore au sujet de l'actualité, aujourd'hui brûlé Nambo Kanabiso, il est vrai que maintenant, on en a besoin, il y a tout le monde, il y a tout un chacun à se manifester. Nous sommes au Congo actuellement, il y a un signe de temps, un signe de temps que tu commis à l'heure de vérité, et tout ça sous la droite, il y a distraction sous-souté. Parce que la droite, il y a distraction sous-souté, il faut arrêter la distraction, il faut la division, tout, et qu'on met ma na échec. Il faut qu'on met ma bisou na ba, il y a qu'on bloqué. Oui, on a un abisso, on a un abisso pour tout avancer, tout conquérir, pouvoir et un bon abisso par le peuple, rien que par le peuple. C'est ça qui est important que nous connaissions les fois dans la plus ou moins attentif dans ma composition de Kanambo Kanabiso. Division est avantagé moto mon côté. Et la division, c'est juste l'échec, c'est la réussite, c'est l'union sacrée. Et qu'est-ce qu'on entend par cette union sacrée? Ni tout le monde ni tout le monde s'attendre à une union où tout ça qu'on a besoin et puis maniliboulou. Union, il y a toutes les forces vives, toutes les forces possibles. Donc, un mouvement citoyen, ma partie politique, tout le monde on a des tickets, on a tout qui est vraiment la réalité autre chose qu'on vivre que les lots congolais, on a droit les soucis à erreur. Tu comme une porte à réussite, tu comme une porte à réussite, c'est vrai, plutôt pas les gosses là, c'est vrai, ni les gosses là, tractation, course au pouvoir et qu'on s'est passé, mais il faut tout ça là, vraiment très attention. La division. Ennemi a presque à la porte. A déjà envoyé au Kim. Parce que nous sommes dans la conscience, le Congolais, le pasteur, le commis éveillé. Je dis encore, je me répète, Naza Sikoyo, qu'on exclut le pasteur Mukunate, qu'on exclut X, Y personne. Tout haut, il y a Bunga qui nous est là, sur la conscience. Mais Elo, quand il te dit que tu es en condition, ne trahis jamais ta patrie. Faut jamais trahir sa patrie. Congo est commis pensable, terrain, il y a désordre, théâtre, les carambos, personne à Congo accepte. À moins que ça la pensable. Mais je pense pas que les Congolais n'a pas traité au niveau combattre comme il peut comme il a point que maintenant il faut que tout le monde aille baquer comme il a vraiment la ligne droite ligne à réussite toi la droite à division tout ce qui change d'avis pour le peuple ce n'est pas la vérité des urnes comme je le répète la vérité a failli lutter. Vérité des unes, c'est le respect, il y a peuple Nabisso. C'est le respect, il y a bavou, il y a choix, il y a peuple Nabisso. Et puis il faut la respecter. C'est ça qu'on appelle la démocratie. C'est ça qu'on appelle un état de droit. Respecter le peuple. Moukouna aye bake, ndengaza ko kosko, ko manifester wana. Ce qui a réellement, non, vraiment, je compte sur lui, la franchise naye. Soit réellement la voix du peuple. Il ne soutient pas Fayoul, il soutient le peuple derrière Fayoul. Et ça, c'est connu de tous. Même le FCC, on a qu'il va cacher les gens que non. Biso Moutouna Biso, ton nom qui est nommé derrière qui copie Nabiso. Alors, tant que vous avez dit que vous avez étonné, puisque vous avez bien que, ah, mais cette fois-ci, il y a un cambo à copie, on a qu'il n'y a pas Fayoul. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on ne pas Fayoul, il est Fayoul parce qu'il faut. C'est à genier devant Fayoul. Non, aucun respect, il y a peuple. Après ça, il y a droit d'évangéliser. C'est le peuple qui lui a donné ce droit d'évangéliser. Et c'est le même peuple, à PCP,
nani Fayulu droit ya ya éligibilité et puis aza président oyo bango bazo compter que ceux qui a commis bakotala oyo ya zo sala ko sala ngote que po mukuna yo za so na kananga po za ka mutu akuna po mubiala yo za mutu langa yo non non ce n'est pas comme ça makambo zali eza ndenge wana te ko zo mona face wana te sinon te doke na désordre oza homme de Dieu respect ya parole yoko ya beaucoup enseigner mais ko enseigner za volonté ya aussi une volonté divine volonté ya nzambe yemoko volonté nzambe yoko changer nzambe te koko ata mukuna nzambe la ata presha ata za na bible du matin au soir volonté ya nzambe ba changer ka yango jamais et ça c'est vraiment tout le congolais il faut te comprendre yango que l'heure n'est plus à la division, l'heure n'est plus à la distraction, l'heure n'est plus à la rigolade, à la récréation. L'heure est maintenant au travail et c'est l'union sacrée. L'union sacrée, c'est l'union du Congo. Tous ceux qui sont derrière ma chino, ils ont détruit le Congo. Ils ont paquet, ils ont un bon, ils ont un bon, ils ont pris un million, mais ils ont un milliard. So va sombien un million, c'est-à-dire au benda ba milliard, za la mayele. Et puis million yo ba koluka ba koi ça parce que ta ba pesa yo le susuté au ko koma siko na situation moko. To pesa ki yo déjà comme on a dit à Mukuna. Mukuna raisonner, ba onyo so za pe na système base la corrompu. Bo réfléchir, c'est le moment de réfléchir. Po ba ko se kabino net Mukuna, po un moment donné ba ne zo ko avancer. Ba to ba ki pe proche na Kabila lelo. Ba za le susuté. Ka so ba ke pa Kabila mais la pesa yo mbongo. Bongo sur eux aussi n'anga soussuni. Il y a un bongo na pesa kaya, soka pesa kaya 100 000, c'est fini bah 100 000 et si là, soka pesa kaya 1 million et si là peut-être 10 ans en arrière, 5 ans en arrière, 4 ans en arrière, soka pesa kaya 500 000 et si là n'ango pele roussous. Et puis tant qu'on songe à Kuna, il va te dire la même chose que na pesa yon bongo. Moi je n'ai plus rien à te donner. Alors qu'on continue qu'on manipule, bah on se voit le bamiké miké, bah on se voit le former bango poke. Bazoape aura, bazoape naniki, yoko lobane ni, ta yoko lobane o vie, yo liaki mbongo, te ba lobana mukuna. Aju bata pomba, che bango abiboniko, mukuna. Yo bosa liba mbongo, zako liakuna, bako mkusa neti, tu yobime, ta muno se liaki, soko esili, esili, kozonga di susute. Et c'est le moment, bande konangole, to comprendre le message. Vraiment, on a besoin de échanger, mais il faut prendre le temps. Moutoura Moutou à partager. Si beaucoup ont partagé, faites un peu ma partage. Comme ça, tout sera bien. Je pense que c'est très important. Je ne le fais pas pour me faire plaisir, mais je le fais peut-être pour tout se comprendre. Le message est le cas bien. Bon comprendre les gars, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est-à-dire de comprendre le message, actualités brûlantes dans Katambo, Canabis au Congo, beaucoup d'antivaleurs, beaucoup de choses qui déplaisent complètement, qui déplaisent dans la communauté Nabisso, et puis division, ça ne va pas nous faire gagner quoi que ce soit. Et puis au contraire, c'est qu'on profite de ça. Naba Oyo, Baningi Congo, ils ont toujours des troubles. Ils ont toujours le gouvernement, ni état de droit, et ni ceci, cela. Et puis à la longue, ça va nous peser lourd, et qu'on pèse lourdement. Conscience à Congolais tout, et puis ce n'est pas ça la raison, c'est pas ça la raison. En tout cas, la raison, ils ont dit que le lieu politiquement, je dis que nous avons le droit de parler, nous avons aussi cette responsabilité. Il y a qu'à éduquer, c'est comme l'enseignement tous les jours. Nous avons une classe, il y aura toujours enseignement, toujours à Batang Sakaye parce que c'est important. Mais si on perd le temps, on a été, mais si on coûte sa connaissance, on va y avoir le on va comprendre que tu es un lobby, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle je prends mon temps, Yako,
qu'on mobilise, qu'on sensibilise, qu'on réfléchit ensemble. Et ce beaucoup partagé, puis je pense que vous avez quelque chose de bien. Ou bien, vous voyez, pour ma banga, ou bien, apparaître, et puis voilà, ou bien. Peut-être dans un message, il y a touché que nous avons direct, que nous avons dit que nous avons cité Combo. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre le message. Le message, c'est quoi? Le message, c'est de d'abord, les Congolais ont conscience que Mboka Penza, il y a une manifestation, il y a un Congo et Salami. Donc, il y a un limité. Et bouger l'emba et et tout ça, mais vraiment la procédure, vraiment la réalité, tout peuple a le soulèvement populaire, pouvoir, le peuple, c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui doit récupérer son pouvoir et puis donner à celui qu'il a choisi. Et ainsi de suite, il y a un peuple. Et puis on est obligé de respecter ce choix du peuple. Et c'est la vérité des urnes, comme je l'ai toujours répété, la vérité à faillibilité, c'est la vérité du respect des droits fondamentaux. Il y a peuple congolais. Par contre, je suis toujours dans votre agité, parce que tu sais faire, message, il y a français, alors pour quelque part, à l'évasion, directement, et comme il y a acquis des droits, donc comme Penza, le tiers de la banane, tout ça, tout le monde, la comédie est belle, et ça, la mana Congo, donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, mon beau canapé, c'est comme un niveau où il est commis, parce que Bissot Moko a la volonté, il y a aider mon beau canapé, il y a aider l'économie, il y a aider la sécurité, il y a surtout aider l'état des droits, il y a Congolais, il y a imaginer la démocratie, il y a Congolais, il y a imaginer la. Ce qui Chilombos Félix a tchèque mis son erreur. Tout l'andana, nous on a tibis tout l'andana. Tout à la concentrer dans l'état de droit. Tout à la concentrer dans l'effort où yo, moutoura moutako yo ko apporté pour épé sabiso, vraiment épé sabiso, mboka oyo, biso to lingito, tout à la nango, et que bana tout ya Congo va profiter na yango. Raison pour laquelle Naza ko sala vidéo oyo pona mabanga te bolimbi sangai parce que tout le monde aimerait que li banga nanga eza plus cher que Congoté, li banga nanga eza plus cher que mapelé à Congoté, li banga nanga eza plus cher te que l'essentiel c'est le message que nous devons ensemble comprendre que tout ça na temps il y a division, te division pour profiter na biso, te division eza échec na biso tout. Et puis ceux de nous échoué, nous devons aller dans le sens de la distraction, il y a division. Mais si nous voulons gagner l'lobby, si nous voulons vraiment récupérer notre pays, si nous voulons vraiment travailler pour ce pays, tout peut être valeur, tout peut être dignité, nous devons ensemble travailler na ba valeur. Je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit Nazako côte sabino to nazako côte anabino ensemble na ibna te expliquer que valeur à peuple ezali na choix na ye o asali pour ba dirigeant ba kambaye mais ceux qui yo moko osali effort ata moko te que o bandako ko mi pesa na mboka na yo poye ba. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la bandera. Tout le monde a appelé à faire la politique. Mais tout le monde doit faire valoir son droit et plus légitime. Droit na yo citoyen, aux en a droit à faire valoir en go. Ce qu'on fait valoir en go, demain, n'attendez pas que Moutaï refaire à comprendre que le droit na yo ça ne peut pas comprendre le sakana na yo, n'denge pas le sakana na biso siko yo. Ping pong et comme oh kanambe kuna epai na kinga kati oh kuna na mongalima bazo beta bazo lia na bango bazo mela biso peuple suko et comme misère na misère toujours ko kasuko comprendre il faut mutula mutami bimisa abimisa o yeza na ye tout ka moins effort ya muke fort na ya muke fort na ya xy tina ba million de personnes on a tozali mais fort wana e ko sala force ko sakadate force ko sakadate. C'est ça la force. Tout ça sur la
dans le droit, il y a erreur. Tout le monde a une division. Tout le monde a une cote. Non, ça n'est pas. Tout le monde a un raisonnement. La volonté du peuple, le choix du peuple. Olinga, candidat Fayulu ou bien président Fayulu, mais l'inga de choix, il y a majorité à la peuple congolais. Tout le monde a une vérité, vérité. Et qu'on permettre Bisso de reconquérir pouvoir. Ce n'est pas Fayulu Azaneti Moutazo pour représenter Azaneti. Titre honorifique et puis après ça le travail oyo peuple a pestillé pour a orienter mboka nanzela nani. Ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas lui le pouvoir, c'est yonangai peuple. Peuple le pouvoir d'être comprenagate parce que le pouvoir ça rage, ça c'est une phrase qui est complètement à côté de la réalité oya batwa ya Congo mona le mususu le pouvoir ça rage, mais pour faire quoi avec ce pouvoir? Pour se faire humilier? Le pouvoir doit être donné par un peuple convaincu que celui-là, je lui fais confiance par rapport à l'autre. Je peux lui confier un mandat pour une durée déterminée. Avec ce mandat-là, pendant autant d'années, qu'est-ce qu'il a fait de positif, qu'est-ce qu'il a fait de négatif? Son bilan sera déterminant dans le prochain choix. C'est ça qu'on appelle la démocratie. C'est ça qu'on appelle le choix du peuple, c'est ça qu'on appelle gouverner un peuple. Mais ceux qui ont comme au Kende, dans un théâtre, dans un musée, certaines distractions, ils ont conduire Bisson, que ce soit Mukuna, que ce soit ceux qui ont travaillé dans Kanambe. Maintenant, le choix est le choix, le choix d'État. Le choix de défendre la patrie d'abord. Ce n'est pas des individus. Ce ne sont pas des individus qui vont faire. Ce n'est pas des individus. Nous sommes tous perdants. Vraiment, si vous comprenez bien cet échange, c'est pour nous éduquer ensemble. C'est nous ensemble. Le pouvoir, c'est vous, c'est moi. Ce n'est pas les, ce ne sont pas les dirigeants. Les dirigeants, ils peuvent faire leur deal la nuit, ils sont ensemble, les jours, ils vont vous faire croire que nous ne sommes pas ensemble, je travaille pour ceci, cela, et puis c'est des paroles qui sortent. Et puis concrètement, dans la réalité, nous vivons que la misère. La misère. Or, quand nous nous mettons tous ensemble et qu'on essaye de chasser ce pouvoir-là, c'est vrai qu'il y aura des répercussions pour un moment, après, ça va se calmer. Mais l'essentiel, le peuple sera toujours respecté. Et c'est ça que nous voulons, que le peuple que vous êtes, que le peuple que je suis, le peuple que tout le monde y est, et c'est ce peuple-là qu'il faut respecter. C'est ce peuple-là qu'il faut à tout prix, il faut à tout prix qu'il reconquille le pouvoir, qu'il revienne à prendre les responsabilités. C'est comme on dit, prenons-nous en charge, dans les termes qui est déjà dit depuis plusieurs années, depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Un peuple doit se prendre en charge, il doit se libérer. Il ne faut pas toujours chercher à donner la faute à X, Y, à tel ou tel camp. Non, il faut revenir à la raison. Le pouvoir, c'est un choix du peuple. Le pouvoir, c'est un choix du peuple. Avec la volonté du peuple, le dirigeant est capable de donner, de répondre aux besoins de la population, de sécuriser la population, de donner une bonne, de créer des emplois, de faire beaucoup de choses, ils sont profitables pour tout le monde. Bande Koranga Congolais, très chers compatriotes, l'union est comme Ipenza. C'est l'heure de l'union, l'heure de l'union. Ce n'est plus l'heure de la division, tout simplement. Sinon, ça va profiter Naba, aventurier, ils ont des millions maintenant. Pour voyez bien que Congo Soki va perdre Yango, le peuple a récupéré pouvoir. Tous ces millionnaires vont s'enrichir, bête va s'enrichir vraiment facilement à Congo. Qu'on perdre le bloc, puisqu'il y a un état et qu'on a là, si le peuple n'a dirigeant au Baponi, va te poursuivre. Mais si on va continuer à battre un deal terminé, tout ça va venir.
Tenez bon, regarde. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Faites l'effort. Il y a qu'à comprendre que le message aujourd'hui, c'est le message citoyen. C'est le message d'éveil de conscience patriotique. Au Botamana Congo, il faut profiter de ma belle Congo. Pasteur, ce sera bien. Volonté, il y a pasteur, maloba, pasteur, il y a volonté à nous embêter. Il faut être beaucoup longue là qui passe que la volonté de Dieu soit faite. Ainsi soit-il. Amen. Donc Zambé a ça pour ça. Par signe de temps. Parce que toi, ça a une erreur. Tout ce qui sort maintenant, tout ce qui est dans les signe de temps. Donc, monde comme il na période, il y a il y a turbulence. Monde comme une période de turbulence. Turbulence, on sentir que mon kilo est bougé. Congo est bougé. Congo est bougé. Monde comme une période de turbulence dans le Congo. Donc, la corruption nous amène qu'à la destruction de l'âme, de l'esprit, du professionnalisme. Il faut que chacun de nous puisse prendre conscience de la réalité du pays. Ce pays-là, le Congo va se relever que par l'effort commun de ses enfants. Et c'est ça faire de la politique. Des gens qui viennent vous corrompre par des millions, mais quand ils vous corrompent par des millions, vous savez qu'est-ce qu'ils vont reprendre par derrière? C'est des milliards, et les milliards, c'est-à-dire, c'est deux, trois personnes qui vont corrompre un million, eh bien, c'est un bon groupe, mais ils vont vous imposer une misère indescriptible, une misère qui va vous faire, donc, qui va vous mettre dans une situation où la vie devient insupportable, où la vie devient pénible, et c'est plus la vie, c'est la mort qui vit en vous. Et pour qu'on n'en arrive pas là, il faut maintenant se réveiller. Il faut comprendre. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place, compatriote congolais. Nous suivons l'actualité tous les jours. Nous avons de la peine, des fois, à suivre la poteau. C'est un agenda, on a des agendas, on a des rendez-vous, on a ceci, à cela, on a beaucoup de choses, mais... Quand on voit ce qui se passe réellement dans Bukanabiso, on se pose la question, est-ce que jusqu'à quand on va supporter cette misère? Jusqu'à quand on va supporter ces traumatismes? Jusqu'à quand on va supporter ces crimes contre l'humanité? Vous pensez que c'est un plaisir? Là, vous vous réveillez le même matin, ah, nous avons perdu celui-là, suite à la barbarie, nous avons perdu ceci, cela... Ça nous fait pas du plaisir, mais voilà que c'est le moment ensemble qu'on ne peut plus se permettre, on ne peut plus avoir droit à l'erreur. Aucun Congolais n'a droit à l'erreur. Chaque Congolais doit se remettre en question. La politique, ce n'est pas une affaire de dirigeants, c'est la politique, c'est le peuple. C'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui donne un mandat à un politicien ou bien à des dirigeants politiques. Et en contrepartie, les dirigeants ont aussi des obligations vis-à-vis de ce peuple qui doivent faire leur travail de manière convenable. Mais si vous leur laissez comme ça, ils vous achètent, ils vous font n'importe quoi et nous sommes tous perdants. Nous sommes tous perdants, chers compatriotes. Et ça, je vous rends attentif que ce n'est plus le moment de ne pas comprendre ce qui se passe dans notre pays. Je peux comprendre qu'il y a la famine, les gens sont épuisés parce qu'ils ne mangent pas leur faim, comme s'ils sont en guerre. Mais la guerre, la famine, c'est comme si c'est pour vous affaiblir, pour vous animaliser, si je peux me permettre l'expression. C'est pour vous détruire dans votre cerveau. Mais soyez forts, chers compatriotes, je vous encourage, je ne vous donne pas des leçons, mais c'est un échange, c'est une discussion, c'est un partage si vous voulez bien. Et je vous recommande encore d'autres qui sont là, qui sont arrivés, de partager ces messages pour
Tout le bien, tout le sol est bien. Bon, partagez, s'il vous plaît. C'est très important. Lélo Nakishasa, on a entendu qu'il y a quand même une révolte qui se prépare. Je sais que vous n'allez pas arriver parce que vous êtes tellement affaibli. Il n'y a pas, je peux dire, sur le plan logistique, nutritionnel, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Qui souffrent, je peux comprendre qu'ils ne vont pas tenir parce qu'il y a un ventre affamé. Je comprends que c'est pendant un moment, mais tenez bon, soyez plus beaux, plus nombreux, défendez-vous comme vous pouvez. Il n'y a pas besoin d'armes, des fois, pour arriver à obtenir des résultats. Il n'y a pas besoin de faire une guerre. Une guerre, c'est le peuple. Aucune armée n'est plus forte que la masse populaire. Rien. Une masse populaire, mais aucune armée qui peut tuer 2 millions en un seul coup comme ça. Non. Il faut tenir. Et puis vous êtes beaucoup, plus de 10 millions à Kinshasa. Vous êtes capable de faire ce que nous vous demandons, bien ce que vous-même vous sentez faire. Que vous êtes capable, Yako, tenir, Yako, relever les défis. Vous êtes capable de relever les défis, chers compatriotes. C'est très important. Vraiment des actes importants. Pas congolais, pas des Konangaï. Je sais des fois, dans un peu de temps, nous sommes sur Kinshasa découragés. Est-ce qu'ils comprennent le message? Est-ce qu'ils ne comprennent pas le message? C'est comme Moulakissi. Sur 30 élèves, sur 15 élèves, à cause de la classe, il ne va pas espérer que donc Bananyo soit Goléka. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas peut-être passer Bananyo, mais l'essentiel, 2, 3, 4, 5, chaque fois, parce qu'on comprend le message. Et ils vont multiplier les messages et ils vont comprendre que nous avons besoin de tout le monde pour faire véhiculer le message, pour prendre conscience de la réalité en Mboka, Congo, de ce qui se passe réellement. Si nous laissons les antivaleurs nous dominer, nous amener à la ruine, c'est nous-mêmes qui le voulons, nous serons nous-mêmes responsables. On ne peut pas en vouloir à d'autres personnes, on ne peut pas en vouloir à la communauté européenne, aux communautés internationales, oh ceci, cela, tout ça. Non, nous sommes aussi des humains, nous sommes aussi capables de pouvoir faire face à la réalité en Mboka Nabiso. Bolia c'est mon gars, tu es un gars, bolia pas mal tembele, tu es un gars, bien vous souka car mal tembele, ou bien car balia kaka. Tu es victime, mais comme il y a un mélange de caca, un fait de caca, pour que tu aies une distraction. Tu es dans la réalité. C'est pour l'ami, c'est la partage, comme ça tu continues, parce que je vois que le nombre de réseaux diminue, donc ça ne sert à rien à continuer, à presser dans le vide. J'aimerais bien que tu peux aller à l'Andaka, et puis tu es dans le bosso. Voilà, compatriotes congolais. Na zongeli bino lisusu, toujours dans le même esprit, il y a enseignement, il y a échange, il y a espace, il y a parole qui te échange, te comprendre. Mais surtout, les dirigeants vont suivre vraiment ligne, il y a quoi, il y a beaucoup de diriger ce peuple, la distraction. Il y a beaucoup à faire pour le peuple, pour moni déjà ndenge makambozo ko leka pour compter sur la félicité. Il est mal barré, il est mal parti et il ne reviendra jamais, au contraire, il va s'enfoncer davantage. Toutes les chances bandima qui était au départ, on leur avait dit mon kinétique, c'était vraiment ça contre bazana haine, bazana ni tout ça, mais on avait compris que c'était une fausse manœuvre. Et c'est le moment de convaincre Batouke. Nous ne pouvons nous en sortir que la volonté en Zambé. La volonté en Zambé, c'est la volonté à peuple. La volonté à peuple, c'est quoi? C'est donc les choix qu'ils ont fait. Les choix que le peuple a fait, il y a voté Martin Fayoulou. Et puis Martin Fayoulou a assumé le rôle. Tina, tant mandat et puis ce qui est, et puis, as-tu comme un solo.
Et tout le monde peut se présenter librement en tant que citoyen dans ma Kamboutou et puis ils allaient respecter Mboka et Zonga dans ma Boko, dans Bissomoko, dans Ndenge ya Pété, dans Ndenge Pina pour Péto. On te le voit dans le poteau, dans propre, propre vraiment, et Zonga Pina propre. Mais ceux qui te cotent dans la distraction, te cotent dans Ndenge ya ko. Il y a comme ça, ma camerounais, c'est de mettre dans la bêtise. Il faut qu'on redevienne citoyen à Congo. Citoyen, c'est-à-dire citoyen, le respect des lois, le respect des droits, le respect de la démocratie, de l'individu. Aller critiquer, c'est l'Europe, c'est l'Amérique qui détruit l'Afrique. C'est trop facile. Bien sûr qu'il y a quand même une part de responsabilité, mais si vous, nous-mêmes ne sommes pas responsables en tant qu'Africains pour gérer nos États, on finira toujours par se plaindre, par se victimiser, par avoir un discours toujours xénophobe, un discours discriminatoire vis-à-vis des autres. Mais ce n'est pas leur faute, ils ont aussi leur responsabilité, leur lourde responsabilité. Être dirigeant en Europe, ce n'est pas une mince affaire, c'est-à-dire c'est quelque chose qui doit d'abord. Il est pas élu pour diriger les Africains, il est élu d'abord pour les intérêts de son pays. Et ça, nous devons aussi avoir une lecture de la réalité des élections, bien des états de droit, bien des états démocratiques. Sinon, on finira tout le temps, l'Europe nous a fait ceci, l'Amérique, il y a Trump, il y a ceci, il y a cela, tout ça. Ils vont négocier avec n'importe quelle bêtise que nous allons faire ou bien mettre à la tête du pays. Ils vont négocier avec. Et s'il ne répond pas, ce n'est pas leur faute. Si lui n'est pas responsable, ce n'est pas la faute aux dirigeants européens. Nous allons toujours nous plaindre. Et c'est tout est dans le dialogue politique, tout est dans la discussion, dans des vrais débats politiques, de pouvoir vraiment échanger, comprendre. Et avant de pouvoir s'engager, il faut avoir un dossier, il faut préparer beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ça demande, ce n'est pas une mince affaire être dirigeant politique. Et puis les Africains, nous, nous avons un peu de théâtre, surtout sur le Congolais. Nous avons un peu de théâtre, nous avons un peu de théâtre, avant de dire que nous avons un peu de béton. Béton, mais ce n'est pas comme ça, avant de dire. Ils peuvent se revenir à la raison, surtout que nous avons un. Mon réalité que nous avons droit au mur, nous allons droit au mur, droit au mur. Et nous n'avons plus droit à l'erreur. Si vous pensez que nous allons continuer comme ça, à vivre cette oppression, cette misère qui devient donc plus qu'insupportable, il n'y a même pas de terme. C'est fini, nous n'avons plus de vie. Hein. Et qui sont les responsables, c'est aussi en partie nous-mêmes. Même si les autres aussi, ils vont vous pousser à vous diviser. Bon, mais nous avons une vocation super de l'intérêt supérieur de l'État, c'est-à-dire de nous mettre ensemble, ensemble et vraiment choisir, suivre surtout la voie du peuple qui est le souverain primaire, qui c'est lui qui a le pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple. Ce ne sont pas des individus. Et ce ne sera jamais des individus. Ils exécutent l'ordre. Mais ils ne sont pas. Ils peuvent décider parce qu'ils ont une responsabilité. Mais ce n'est pas eux qui ont le vrai pouvoir. On peut se tromper, on peut être dictateur, mais à la fin, donc, il faut maintenant que conscience n'abuse ça. Il faut conscience n'abuse ça. Ce conscience n'abuse ça, salité, je suis désolé, et je pense que c'est le moment. Mais direct, ce n'est pas. Et un donneur de leçons, c'est un espace d'échange. C'est juste un enseignement sur
ce que je constate, ce que je vois, que vous pensez, et comme vous le pensez, vous m'autorisez à prendre la parole et puis à échanger avec vous. Et c'est comme ça que toujours avancer. Ce n'est pas mes messages qui viennent seulement de moi, mais c'est des messages que j'écris, je regarde, j'observe, j'entends, j'écoute à gauche, à droite, et puis voilà, j'essaie maintenant de partager avec Bino. Et c'est comme ça que je suis un peu, quelque peu autorisé ou bien mandaté à pouvoir dire ce que beaucoup de nous pensent tout bas. Voilà plus ou moins. Voilà plus ou moins ce que je peux vous dire à ce sujet. Donc, on a quand même un gros souci, un gros souci. La RDC, la République démocratique, entre pincettes démocratique du Congo, on a un gros souci et que nous devons relever le défi ensemble. Nous devons ensemble trouver une voie et moyen, une solution. Mais d'abord, avant d'aller plus loin, je dis l'heure n'est plus à la division. L'heure n'est plus à la division. L'heure est maintenant à l'union sacrée. À l'union des forces vives, des mouvements citoyens, des partis politiques qui peuvent aussi perdre leurs étiquettes, des dirigeants politiques, des leaders d'opinion, religieux et tout, sportifs, tout va pour aller dans le bon sens. Dans le bon sens. Utilisons nos compétences, nos connaissances, notre savoir-faire pour relever les défis ensemble, que nous soyons tous victorieux, que nous soyons tous plus ou moins contents que nous avons sauvé notre patrie ensemble. Sinon, c'est toujours le pleur, c'est toujours la misère, c'est toujours des choses qui des fois, on va se plaindre chez qui maintenant. Individuellement, tu vas tu n'as aucune force. Mais quand on est ensemble, quand on est unis, on a plus ou moins une voix qui résonne plus fort. Mais si on n'est pas soudé, aucun respect. Voilà plus ou moins la petite expérience au Nazanango dans ma vie de politique ou bien dans ma vie de leader d'opinion dans la communauté. C'est ça que je peux vous dire, que l'ensemble est mieux que l'individualité. Donc nous devons privilégier l'union, nous devons prendre nos responsabilités, nous devons être d'accord sur des valeurs, surtout sur le choix du peuple. Respect. Être respecté, c'est-à-dire être aussi à mesure d'avoir on a des droits et des obligations, et aussi des devoirs vis-à-vis des populations. Leur sécuriser, leur donner du travail, leur apporter une bonne éducation. Beaucoup de choses dans ce sens-là. Chers compatriotes, je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui à Kinshasa, vous le savez très bien, essayez d'aller prendre encore des renseignements à ce qui va se passer demain et après-demain. Et toujours, si vous avez le temps, comme des gens, des amis qui me téléphonent, qui me donnent des informations, je suis toujours prêt à les recevoir et à discuter avec vous et à partager avec d'autres personnes. Comme ça, Tomeka, que l'information ne reste pas dans le casier, mais c'est plus plutôt que ça soit un peu plus ou moins véhiculé et que chacun puisse prendre connaissance que le Léon à Kinshasa va troubler les Kaki, va troubler les Kaki, la vie que le peuple a commis. Réveillé, éveillé, a commis vraiment réveillé grâce à ce que nous faisons comme travail. Et nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons toujours
en parler de façon qu'il y en a quoi encourager Bino, qu'on peut s'abîner vraiment. Et là, il y a venir, il y a lobby. C'est vous qui devez le bâtir aujourd'hui. Nous devons bâtir ça maintenant. Et c'est maintenant que nous avons besoin de chacun de vous, de chacun de nous, que le peuple puisse comprendre que c'est lui qui est souverain, primaire. C'est lui qui a le pouvoir. Et c'est que lui qui est, c'est, il n'y a que lui qui peut dire oui ou non à tel ou tel dirigeant, ou tel groupe politique, à tel ou tel projet. Voilà plus ou moins ce que je peux vous dire à propos. Et juste maintenant, j'aimerais bien prendre congé de vous en vous disant toujours que Bolingo Eleka, Bolingo Eleka, Eleka, Bolingo Ezala est belé, belé, belé. Bolingo Eleka est belé, surtout à ma belé Nabiso, surtout à ma Ndeko Nabiso, surtout à ma valeur pour na bana, pour na venir Nabiso, pour na Bolingo Ezala et loco. Oyo evandi et kangi biso penza et tie biso sika moko pote to longa lobby ensemble. Et puis je vais toujours conclure avec cette fameuse formule qui m'est propre et que j'aime bien. Je vous aime et je vous remercie. Merci beaucoup, très chers compatriotes, et soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.